pockets and she's waiting for a downtown train. Yeah, and the high-heel boots with the straps on low and her head hanging down in shame. Thierry Borat, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous au Salon du Livre de La Rochelle. Nous sommes le samedi 4 décembre. On est vraiment ravis de vous accueillir en dédicace sur le stand d'Eddie Livre. Et puis moi aussi d'être là. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de trois ouvrages chez Eddie Livre. Tout d'abord, Le pain de mon père, suivi du pain perdu. Et enfin, Le banc, qui vient tout juste d'être publié spécialement pour le Salon du Livre de La Rochelle. Je vous demanderai en quelques mots de nous raconter l'intrigue de ce dernier roman. Eh bien, l'intrigue de ce dernier roman, c'est une histoire qui m'est revenue comme ça. Quand j'avais 22-23 ans, j'ai rencontré un personnage qui sortait de l'ordinaire dans un club de tennis. Cet homme avait 20 ans de plus que moi. Et puis, on s'est boudé un petit peu au début. Et puis, on avait des attaches communes qu'on a trouvées parce que lui était d'Algérie, puis moi aussi. Et ces liens sont venus par ça, sûrement, parce qu'on n'en a jamais parlé trop, parce qu'on n'en parlait pas. Mais ça a sûrement créé des liens. Et puis, ce personnage avait une vie assez mouvementée et puis rigolote en même temps. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages et les anecdotes, ce que les gens peuvent faire. Et puis, voilà, cet homme-là... a une vie, à 20 ans, il est parti, il a fait le débarquement en Provence, son père était un colon en Algérie, il avait un grand domaine, puis il s'est retrouvé dans un char le 15 août sur une plage de Provence, il est monté en Alsace, et en Alsace il a rencontré une jeune fille qu'il a mise enceinte, et il a attendu qu'elle accouche pour revenir en Algérie, et quand il est revenu en Algérie, son père l'a mal reçu, parce qu'il avait projeté autre chose que cette jeune fille qui venait d'ailleurs, parce qu'il voulait le marier avec la fille d'un colon, faire un mariage d'argent et à la fois de raison. Et puis, comme ça s'est mal passé dans le domaine, il a déserté ses parents, il a abandonné ses parents. Il est parti travailler à la poste au Maroc, après avoir fait une demande. Il est arrivé dans le Rabat juste d'après-guerre, un peu avant l'indépendance de ces pays-là. Et puis, il a travaillé dans les standards postaux. Et puis en travaillant là-dedans, il a rencontré dans un cours de tennis où il a découvert le tennis, il ne connaissait pas ce sport, il était plutôt foot, il pensait que c'était un sport féminin. Il a découvert ce sport, il a été mordu par ce sport, il a rencontré une femme qui était là, il lui a fait la cour. Et cette femme était la femme du directeur du cabinet du gouverneur général du Maroc à l'époque. Cette femme, c'était une grande catholique, enfin bref, il a eu une liaison avec elle. Et cette femme l'a fait avancer dans la vie, elle lui a fait une situation comme ça, dans l'ombre. Et toutes ces histoires-là, il me les racontait de temps en temps sur un banc, c'est pour ça que le livre s'appelle Le banc. Et sur les bancs du tennis, moi je ne lui posais pas de questions, il me racontait sa vie comme ça par bribes. Ça a duré des années pour faire un livre pas très gros, mais enfin bref. Alors il y a plein de trous dans ce livre parce que je ne sais pas tout de sa vie. C'est comme ça qu'est né ce livre, Le banc. Ce livre est né comme ça parce que je l'ai écrit sous forme de nouvelle et je l'ai fait lire à une amie. Et elle m'a dit, Pierre, écoute, étoffe, fais un bouquin. Et puis c'est comme ça que c'est fait. D'ailleurs, j'ai une dédicace dans le livre. C'est grâce à elle que ce livre est sorti. Sur le pain de mon père, c'est... ma jeunesse en Algérie jusqu'à 20 ans, jusqu'à temps que je quitte l'Algérie pour venir faire mon service militaire en France. Et là, mes parents avaient une boulangerie, et de cette boulangerie, à travers la vitrine, je voyais ce qui se passait, plus un peu ce que j'ai fait quand même en sortant de la ville et en sortant de la boulangerie. Et donc, je trace des portraits de gens que j'ai croisés. Mais toujours, je recherche les gens qui m'intéressent et qui m'ont apporté quelque chose, quel que soit le niveau social. Oui. Puis alors dans le deuxième, c'est la suite, quand j'ai découvert la France, ce pays que je ne connaissais pas. Et puis je suis arrivé en Vendée, mon Dieu, j'arrivais du pays du soleil, les gens étaient en burnous, j'ai retrouvé des gens en blouse et en sabots. Donc je retrouvais à travers ça ce que la littérature française nous apportait, nous en Afrique du Nord, qui était une colonie, mais on avait des écoles françaises avec les études françaises. Donc, je retrouvais les Erckmann, Chatrian, les Daudet, tous ces livres-là, les écrivains régionalistes à travers ça. Donc, mes livres sont simplement des livres d'observateurs,
à la fois un peu narquois et puis un observateur. Je regardais comme ça sur Internet et puis j'envoyais ça à plusieurs éditeurs. Et puis j'avais été accepté pour Le Pain de mon père, dont je tire le nom, mais par un éditeur important quand même sur la place de Paris. Mais ce n'était pas dans le système d'édit libre, c'est-à-dire le livre à la commande. Cet éditeur me faisait 200 bouquins et dans 6 mois, si je ne les avais pas vendus, ça partait au pilon. Il fallait que je fasse moi ma publicité et tout ça. Chez Edit Livre, c'est un petit peu pareil, mais chez Edit Livre, on peut garder un livre pendant des années, le faire lire comme ça, au coup par coup, quand on a envie. Je trouve que c'est une très belle réalisation. En plus de ça, c'est pas de la flagornerie, mais il y a toute une équipe de jeunes qui est agréable et qui fait bien son boulot. Merci beaucoup. Pierre Iborra, pour préparer cette interview, je vous ai demandé de choisir un extrait de votre dernier roman, Le Banc, pour donner une idée aux lecteurs de ce qu'ils vont retrouver dans cet ouvrage. Quel extrait avez-vous choisi ? Je vais commencer par la Genèse, c'est-à-dire, comme dans la Bible, la première page. Parce que finalement, si on part au milieu, voilà. Alors, on vous écoute pour l'incipit du roman. C'était autour de 10 heures, par un appel téléphonique, en mai 2002, que j'ai appris la mort de ma vieille connaissance, Joseph Thiroux. Oui, j'irai au quai, mais à 15 heures, à l'église Saint-Antoine, me suis-je entendu répondre. Ça faisait belles quelques années que je ne voyais plus. La vie, la retraite, m'avait éloigné de la petite ville dans laquelle j'avais vécu durant presque 40 ans. Oh, je n'étais pas parti bien loin, un éloignement à peine de 100 km. Mais le temps qui passe, l'âge avec ses calamités, toutes ces petites fracasseries nouveaux près de nos propres bouches. Subséquement, la peur des gendarmes, des radars, la soufflette dans les ballons, tout cet admirable modernisme sécuritaire mis au point par nos énarques à seule fin de nous sous-sauter les pensions, nous a fait perdre le goût des balades, nous transformant citoyens en fauniers, pantouflards. Dieu merci, il nous reste la zapette pour la culture, les chiffres et les lettres, la Star Academy, Koh-Lanta, cette remarquable télé-réalité où nos chaînes dispensent pour le bien de notre pensée. Ce coup de fil m'a remis en souvenir des brimes de la vie de cet oiseau mort. C'était un client d'exception, mon Joseph.